On vient de démontrer que l'équation différentielle en x de cet oscillateur mécanique horizontal était la suivante. On a vu sur l'animation que x variait de façon sinusoïdale au cours du temps, était une fonction sinusoïdale du temps. Donc qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Eh bien, vous allez démontrer que la solution de cette équation différentielle en x est sous cette forme-là, ou sous cette forme-là, avec a et b constantes dans ce cas-là, et xm et phi constantes également, dans cette seconde expression. À vous de travailler. Bien, on va commencer par la première. Alors, voici x de t. Dérivons x par rapport au temps dans un premier temps. Si je dérive x par rapport au temps, eh bien, je vais dériver par rapport au temps l'expression suivante. Petit a cos oméga 0 t plus petit b sinus oméga 0 t. Alors, on rappelle une chose. D'abord, la dérivée de cos θ par rapport à θ, vous le savez, ça vaut moins sinus θ. Ça, c'est la première chose. Et la dérivée de sinus θ par rapport à θ est égal à plus cos θ. Ça, c'est la première chose à connaître. Ensuite, on voit que θ varie au cours du temps. Autrement dit, si on veut dériver cos oméga 0 t par rapport au temps, eh bien, c'est comme si on dérivait par rapport au temps cos θ, θ valant oméga 0 t. Et ceci, c'est quoi? Eh bien, c'est la dérivée de cos θ par rapport à θ fois dθ, la dérivée de θ par rapport au temps. Et on retrouve bien la dérivée de cos θ par rapport au temps. Attention à cette feinte, il faut la connaître. Bon, alors, si on fait la dérivée par rapport au temps de cos oméga 0 t, ben, ça nous fait quoi? La dérivée de cos θ par rapport à θ, eh bien, on le voit là, c'est moins sinus θ. Donc, ça nous fait moins sinus θ qui vaut oméga 0 t. Fois quoi? Eh bien, la dérivée de θ par rapport au temps, oméga 0 t, si je dérive par rapport au temps, eh bien, ça me donne oméga 0 fois oméga 0. Deuxième chose, si on dérive sinus oméga 0 t par rapport au temps, si on dérive par rapport au temps, sinus oméga 0 t, eh bien, on dérive d'abord quoi? Eh bien, le sinus, ça sera la dérivée de sinus θ valant oméga 0 t par rapport à θ, fois dθ sur dt. Même fin que précédemment. La dérivée de sinus θ par rapport à θ, c'est cos θ. Donc, ça nous fait quoi ceci? Eh bien, cos θ, c'est-à-dire cos oméga 0 t. Et après, je dérive ce qui est à l'intérieur, par rapport au temps. Je dérive oméga 0 t par rapport au temps. Mais qu'est-ce que ça me donne? Oméga 0 fois oméga 0. Et voilà. Alors, on va se servir de ces deux expressions pour dériver x par rapport au temps. Donc, dérivée de x par rapport au temps que je peux noter x point est égal à quoi? Dérivée par rapport au temps de cos oméga 0 t, ben, je peux tirer le a, je peux la sortir de la dérivée. Hein. C'est a fois la dérivée de cos oméga 0 t par rapport au temps, plus quoi? Plus b fois la dérivée par rapport au temps de sinus oméga 0 t. Dérivée de cos oméga 0 t par rapport au temps, on l'a là. Ça nous donne donc x point égale a fois quoi? Moins oméga 0 fois sinus oméga 0 t. Plus quoi? Plus b fois la dérivée par rapport au temps de sinus oméga 0 t. Eh bien, ça nous fait plus b fois oméga 0 fois cos oméga 0 t. Dans cette équation différentielle, on a la dérivée seconde. Pour l'instant, on n'a que la dérivée première. On redérive x point par rapport au temps. Dérivée de x point par rapport au temps qui vaut x seconde. Il va falloir redériver ceci. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps
de A fois, enfin, moins A oméga 0 sinus oméga 0 t, plus B oméga 0 fois cos oméga 0 t. On va dérouler ça par rapport au temps. Moins A oméga 0, on peut le faire sortir de la dérivée car il est constant, ce qui me donne x secondes égale moins A oméga 0. Dérivé par rapport au temps de sinus oméga 0 t, on l'a là, ça me donne oméga 0 fois quoi? Fois cos oméga 0 t. Plus quoi? Dérivé par rapport au temps de B oméga 0 cos oméga 0 t, B oméga 0, on le sort de la dérivée car c'est une constante, plus B oméga 0. Et je dérive par rapport au temps cosinus oméga 0 t. Et là, la dérivée par rapport au temps de cosinus oméga 0 t, ça fait moins oméga 0 fois sinus oméga 0 t. Bien, ce nous donne donc pour x secondes moins A oméga 0 carré fois cos oméga 0 t moins B oméga 0 carré fois sinus oméga 0 t. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on peut mettre ici moins oméga 0 carré en facteur, moins oméga 0 carré facteur de quoi? Eh bien, de A cos oméga 0 t plus B sinus oméga 0 t. Et qu'est-ce que c'est que cette expression? C'est justement quoi? C'est justement x. Donc ça me donne moins oméga 0 carré x. Alors, on va réinjecter x secondes dans cette expression. Donc x secondes, c'est moins oméga 0 carré x moins oméga 0 carré x plus oméga 0 carré x. Eh bien, ça fait bien 0. Autrement dit, cette expression est bien solution de l'équation différentielle de cet oscillateur harmonique mécanique. On va passer à la seconde expression. Vérifions maintenant que cette deuxième expression de x, xn cosinus oméga 0 t plus phi, est bien solution de cette équation différentielle du second ordre. Eh bien, nous allons, pour trouver x seconde, dans un premier temps, trouver x point, dérivée de x par rapport au temps. C'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de xm cos. Alors, cet angle à l'intérieur du cosinus, je vais l'appeler θ, parce que c'est plus simple. Hein. Cos θ. Voilà. Alors, cette dérivée par rapport au temps de xm cos θ, c'est la dérivée par rapport à θ de xn cos θ, comme nous l'avons vu précédemment, fois la dérivée de θ par rapport au temps. Xn, nous pouvons le sortir de cette dérivée, puisque xn ne dépend ni de θ ni du temps. C'est une constante. Donc xn fois la dérivée par rapport à θ de cos θ, nous avons vu que c'est moins sinus θ. Donc moins sinus θ fois θ point, la dérivée de θ par rapport au temps, θ est égal à oméga 0 fois t plus phi, oméga 0 et phi étant une constante, je dérive θ par rapport au temps, je retrouve oméga 0, donc fois oméga 0. Autrement dit, la dérivée première de x par rapport au temps est égale à quoi? À moins xm oméga 0 fois sinus θ. Θ valant oméga 0 t plus phi. Eh bien, la dérivée de x point par rapport au temps, eh bien, c'est ce fameux x seconde, l'accélération sur l'axe des x. Bien, je vais dériver cette expression par rapport au temps. Donc, je dérive par rapport au temps moins xm oméga 0 fois sinus θ. Donc, c'est comme ceci, je peux le sortir de l'expression car c'est une constante. Je dérive par rapport au temps sinus θ, c'est comme si je dérivais sinus θ par rapport à θ, fois
La dérivée de θ par rapport au temps. La dérivée de sinus θ par rapport à θ, nous l'avons vu précédemment, c'est cos θ, ce qui nous donne pour x second, moins xm oméga 0 cos θ, et si on dérive θ par rapport au temps, eh bien on retrouve oméga 0. Ceci est une constante, donc ça nous fait fois oméga 0. Autrement dit, x second est égal à moins xm oméga 0 carré cos θ. Xm cos θ, mais qu'est-ce que c'est que xm cos θ? Xm cos θ, c'est x. Ce qui nous donne donc xm cos θ, c'est x. Ça nous fait donc moins oméga 0 carré fois x. Si on remplace cette expression dans l'équation, vérifions que x de t est bien solution de cette équation. X seconde, ça vaut moins oméga 0 carré x plus oméga 0 carré x. Je vous le donne en 1000, ça fait 0. Donc, cette expression est bien quoi? Eh bien, elle est bien solution de cette équation différentielle du second ordre. Alors, juste une petite parenthèse, à quoi correspond ce xm, ce oméga 0 et ce phi? Oméga 0, on sait que c'est k sur m, c'est 2π sur t0. Bien. Alors, x de t, on a vu qu'il variait comme ça. Le t0, c'est quoi? Eh bien, c'est la période propre d'oscillation. Donc, le oméga 0, 2π sur t0, c'est 2π sur cette grandeur-là. Si là, on a x, et là, on a le temps. Ensuite, comment on calcule oméga 0? Ben, pour le calculer, en faisant racine carrée de k raideur du ressort divisé par la masse du palais. Ensuite, à quoi correspond xm? Eh bien, si on a x de t qui est égal à xm cos oméga 0 t plus phi, ceci variant entre le cosinus entre quoi? Eh bien, entre plus 1 et moins 1, nous avons xm qui vaut quoi? Eh bien, tout simplement, xm, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'amplitude des oscillations. À quoi correspond phi? Eh bien, phi, c'est la valeur du cosinus de l'angle θ quand t vaut 0. C'est ce qu'on appelle la phase à l'origine. C'est la valeur de l'angle à t égale 0. D'accord? Dans ce cas-là, par exemple, eh bien, à t égale 0, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, à t égale 0, eh bien, on a x de t qui vaut 0. X de t égale 0. Autrement dit, ce cosinus est nul. Ce qui signifie quoi? Eh bien, ça signifie que oméga 0 t plus phi égale plus ou moins pi sur 2, parce que cosinus de pi sur 2, ça vaut 0. Plus pi sur 2 ou moins pi sur 2, nous le verrons plus tard dans des exercices pour savoir, pour lever la détermination sous le signe de cette phase à l'origine. En conclusion, la solution de l'équation différentielle du second ordre x seconde plus oméga 0 carré x égale 0 est de la forme suivante ou celle-ci. Nous avons a, b, xm et phi qui sont des constantes fixées par les conditions initiales que sont la position du centre d'inertie du palais à t égale 0, x0, ainsi que sa vitesse initiale v0. X est donc l'abscisse du centre d'inertie du solide en mètres, oméga 0, la pulsation propre de l'oscillateur harmonique en radians par seconde, T0, la période propre d'oscillation en secondes, F0, la fréquence propre d'oscillation en hertz, XM, l'amplitude du signal en mètres, Φ0, la phase à l'origine en radians, et le temps T, évidemment, qui s'écoule pour nous tous, malheureusement, en secondes.